Le 21 juillet 2006, j'ai déposé à SACEM une parodie de chanson, Corps un pantin. C'est naturellement tiré de l'œuvre de Jean-Jacques Goldman, Encore un matin. Donc, 11 ans plus tard, selon SACEM, ça n'a jamais été utilisé en public. Donc voilà, il faut que je me lance, que je fasse mon Jean-Jacques Goldman sans musique. Donc ne pensez pas que je vise quelqu'un d'aujourd'hui, ça a été écrit il y a 11 ans, replongez-vous, même si effectivement vous pouvez peut-être vous imaginer que certains sont encore des pantins. Bref, je vais pas chanter, non, non, déconnez pas. Je vais vous inviter à chanter avec une musique de fond si vous voulez, un karaoké, mais pas moi. Donc voilà, encore un pantin. Encore un pantin crétin, une coquille vide, caca, boudin. Encore un pantin, un de ces moins que rien, présenté comme un type bien. Pantin pour distraire, ou bien pantin pour faire vendre, pour que personne cherche à comprendre. Pantin pour plumer, médire ou faire mousser, manipuler ou bien berner. Encore un pantin qui cherche qu'on l'écoute. Pantin paumé cherche une route. Encore un pantin veut vous rendre heureux, vous jure qu'il va mettre le feu. Un pantin, ça ne sert à rien. Un pantin, un lilliputien. Ce pantin, c'est du rien, c'est un chien. Un pantin, c'est en fait un margoulin. Encore un pantin. Non, je suis pas chanteur, vous voyez bien. Bon, encore un pantin peut devenir notable, responsable, mais jamais coupable. Encore un pantin, envie et ennui, recherche un bon plan pour la nuit. Pantin mis sur le piston ou la chance, veut bien servir comme récompense. Pantin connivence, pantin belle éloquence, c'est masquer ses ignorances. Un pantin, ça ne sert à rien. Un pantin, un lilliputien. Ce pantin, c'est du rien, c'est un chien. Un pantin, de rien, c'est en fait un margoulin. Bon voilà, si vous voulez faire votre Goldman, mais avec autre chose que les paroles de Encore un matin, vous avez maintenant Encore un pantin, un titre qui est naturellement repris dans le bouquin parodie de chansons d'un certain Stéphane Ternoise. Mais voilà, Stéphane Ternoise a presque disparu, on peut dire. Donc il va falloir que les textes ils passent un peu sur YouTube parce qu'ils passeront pas sur France Inter.